Le gros challenge là, c'est que j'étais tout seul. Merci beaucoup à Oopsmakers pour la confiance. C'est eux qui m'ont donné cette opportunité là, ils m'ont fait confiance sur un gros event comme ça. Yo les gars, nouvelle vidéo pour un nouveau voyage. En ce moment on est en Grèce, première fois que je suis en Grèce et en plus c'est pour le taf, dinguerie de ouf, pour les qualifications des Jeux Olympiques. Ça fait presque 2 jours que je suis là. Hier j'ai pu profiter un peu d'Athènes parce que je suis à Athènes, malgré une dinguerie. Il s'est passé à peu près ça hier. Je faisais la queue pour aller au Panthéon là. Je vous jure ce mec là. Je vous jure il m'a pété dessus. Et en vrai bail, hein. En mode de... Genre, même sa femme, elle avait le somme de lui, tu vois. J'ai choqué, j'ai regardé, je savais même pas quoi dire. 20 balles pour me faire chier dessus et voir le Panthéon, donc j'espère que ça vaut le coup. On va voir ça. C'est une dingue, je viens ici, il y a des travaux partout. Bon les gars, je viens de finir la visite du Panthéon là, et enfin de l'Acropole. Et je vous mens pas, 20 euros c'est un peu cher pour ce que c'est. C'est magnifique et tout, hein. Il y a une vue de dingue et tout, mais 20 balles. Et en fait t'as fait le tour en 30 minutes quoi, 20 balles je trouve c'est un peu cher, mais c'est un truc à voir quoi, c'était magnifique. C'est fait, c'est fait. Je suis dans un hôtel de fou furieux, je suis dans un Marriott, c'est une dinguerie. Non, c'est une dinguerie, le buffet, la chambre, piscine sur le rooftop. Il y a même un petit gym, il y a tout ce qu'il faut pour s'entraîner, tout ça. C'est terrible, terrible. Mais le buffet, quand je vous dis, c'est une folie, c'est une folie. J'essaierai de filmer avec mon tel demain. Mais le plus important, ce pourquoi je suis là, c'est que c'est les qualifications pour les JO au basket 5-5. Comme vous le savez, je travaille avec Oopsmakers et je suis l'un des vidéastes envoyés sur l'événement en Grèce. Et il y a Alan qui est en Lettonie aussi pour l'un des autres groupes des qualifications. Mais la dinguerie, c'est quoi? C'est que ici en Grèce, il y a la Slovénie et la Grèce. Donc ça veut dire Luka et Giannis. Donc, ça peut être très 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 big. J'espère que je vais être performant, surtout, parce que c'est important de faire de la qualité sur ces événements-là. J'espère que je vais être performant pour l'image de Oopsmakers. Donc là, ça va être... c'est de la pression, mais c'est de la très bonne pression, parce que j'avais hâte justement d'avoir un moment comme ça où on me donnait vraiment toute la confiance et beaucoup de responsabilités. Donc là, aujourd'hui, enfin aujourd'hui, demain, c'est le jour. Toute la semaine, parce qu'il y a 2 matchs par jour jusqu'à la finale. Donc ça va faire beaucoup de matchs, beaucoup de responsabilités. Mais justement, c'est le moment de prouver que je suis capable et que je vais d'aide, tout simplement. J'ai super hâte de vous partager ça. Bah, je suis trop hypé, en fait. Vu que j'ai des responsabilités, je suis trop content. Et le fait d'être tout seul aussi, je peux me reposer un peu sur personne. Donc c'est vraiment la semaine, l'événement pour prouver que je suis capable et plus que capable même. Donc voilà, je suis trop chaud, je suis trop hypé. Bah voilà, hein, on va voir ce que la semaine donne. On nous a donné un sac avec des petites affaires dedans, je sais pas du tout ce que c'est, je vais ouvrir ça avec vous. Je suis cuit de fou, wesh. Il est minuit et demi, je fais des pack opening comme ça. Bon, du coup c'est ça le sac. J'en ai 800 des sacs comme ça, mais bon, je m'en sers d'aucun, c'est ça le pire. 3 trucs différents. C'est un t-shirt de l'OM ou quoi là? Petit polo Nike avec avec le Olympic Qualifiers. La matière, elle est bien et tout, en plus c'est un petit Nike, tu vois. Mais avec ça là, je sais pas quand je vais le mettre en fait, hein. Je vous avoue que je sais pas, en plus il y en a deux. Je vous avoue que je sais pas quand est-ce que je vais mettre ça, hein, mais bon. Je vais les mettre pendant l'event au moins, je pense, et puis on verra. Hein. Bon les gars, jour 3, là il y a Slovénie, Nouvelle-Zélande. Quand c'est pas la Grèce qui joue, il n'y a pas beaucoup de monde dans le stade. Et ça fait bizarre, enfin dans le gym. Et ça fait grave bizarre parce que tu te dis, il y a Doncic qui joue, et l'arène elle est vide limite. Là let's go, je prends les highlights de ce match là et en fait je fais tous les matchs, je loupe aucun match, aucune action,
j'essaye de louper aucune action. Et voilà, en espérant que Luca fasse un gros match, parce que le premier match, il a pas bien joué. Alors qu'au contraire, Yanis, hier, il a fait du sale de fou. Il a mis 32 points. Donc il y a ses highlights partout sur la FIBA, la NBA, etc. Les gars, ça y est, la finale est passée, c'est une dinguerie. L'événement, c'était une folie, vraiment. Ma première fois, du coup, sur un événement comme ça, terrible. Ah, un événement sur une semaine complète, en comptant le Media Day, les matchs de poule, les phases finales, etc. Et là, il est minuit et demi, l'événement est fini. Je repars demain à 8h30 de l'hôtel. C'était une folie. Bon, pour vous remettre un peu dans le contexte, il y a deux matchs par jour. Sur ces deux matchs-là, je dois faire minimum 10-15 réels par match. Et à la mi-temps de chaque match, il faut que j'ai au moins un ou deux réels à pouvoir envoyer et qui soient possiblement postés dès la mi-temps. Donc le gros challenge là, c'est que j'étais tout seul, on va dire. C'est la première fois que je faisais un événement d'une ampleur comme ça et tout seul. Déjà, merci beaucoup à Hoopsmakers pour la confiance. C'est eux qui m'ont donné cette opportunité là. Ils m'ont fait confiance sur un gros event comme ça, de me laisser en autonomie et de me laisser gérer 100% du taf. Et donc ça, déjà, ça m'a mis beaucoup en confiance, parce que je me dis, bon, si on me fait confiance, let's go. J'ai toujours réussi à livrer une vidéo à la mi-temps au moins. Après les matchs, souvent avant minuit, entre minuit et 2h du matin, j'avais déjà envoyé presque toutes les actions du match. Ça, c'était un vrai challenge. Quand même, c'est intensif. Tu commences tes journées vers 15h30 et tu finis vers... Bah c'est ça, 2h du matin. Du coup c'est un peu tendu. Et le but c'est de faire de la vraie qualité en étant assez rapide, parce que sur des events comme ça, il faut pouvoir poster en live. Par exemple sur un match, si tu livres 15 contenus, ils vont en poster 3-4 en live. Et ensuite le reste, les 10 autres, ce sera pour le reste de l'année, etc. pour alimenter les réseaux. Mais pour qu'ils puissent choisir quoi poster, etc., il faut avoir envoyé déjà plusieurs possibilités pour que eux puissent exploiter le meilleur réel sur l'instant. Franchement les gars, petite rétrospective sur moi-même pendant l'event. Très franchement, je m'étais mis quand même pas mal de pression, parce que je voulais prouver que j'étais à la hauteur et tout. Et je pense que j'ai accompli ça, parce que je pense que j'ai montré que je suis capable de produire du contenu de qualité assez rapidement. Ça, c'est des cases qui sont cochées pour moi. Et maintenant, après l'avoir vécu, je sais que j'en suis capable, je sais que j'ai kiffé. Et bah, bien sûr, faire des déplacements dans des décors comme ça, dans des circonstances comme ça, avec des joueurs d'une ampleur comme ça aussi, et de voir le résultat instantanément presque sur les réseaux, genre l'impact que ça a, ça génère une certaine satisfaction, c'est trop lourd. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à aller en regarder d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres, et abonnez-vous, c'est archi important, abonnez-vous, à bientôt.